Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Anno 1404 et je me suis fait couler un bateau, celui qui était allé chercher la caisse de débris, c'était un navire de commerce. Donc Dieu serait heureux de vous aider. j'ai envoyé mes trois bateaux à la poursuite des différentes personnes, deux à la poursuite du bateau et un qui va chercher la marchandise que j'ai perdue du coup, enfin qui est à l'eau. Je me dis qu'un deuxième donjon ce serait peut-être bien pour produire plus vite. Voilà, faisons une place imprenable. Et un Ah, tournoi. un tournoi! Ce serait un divertissement de premier plan fantastique! Et c'est Je parti pour vais le tournoi. immédiatement transmettre vos ordres au chevalier. Elle a un grand navire de commerce. Crah. Il reste celui-là qui pourrait Chaque nouveau l'espace. siège au conseil accroît votre influence sur cette île. Mais ça lui en fait de moins en En moins. avant, marche! Vos ordres! Elle a ce bâtiment de commerce là aussi qui pourrit l'espace. Lui il va mourir. Le plus vite sera Attention! le mieux. Par contre il descend Vos vraiment ordres! lentement. On va quand même aller là. Faut bien que je Soldats, en m'installe. avant! Ça c'est à moi. Ah, il n'y a pas Ainsi que d'influence à cause du cessez de mur. produire des marchandises. En fait, un trou. Rien ne peut nous arrêter! On y va! Les habitants de votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. Oui. En fait, je laisse les machins pour qu'ils me les tapent si jamais ils veulent taper un truc. Mais peut-être que si je les rasais, ils arrêteraient de m'embêter. Au revoir l'église, qui coûte 40 d'entretien. Voilà. Bah, vous l'avez perdu de vue? Il y en a un qui est Arrêtez là. immédiatement! Grand navire de commerce. Eh, faut l'empêcher de faire du commerce. Attendez, on va faire mieux. Je sais comment elle a relancé tous ces grands navires par contre. Bon. Alors, c'était un pauvre, un mendiant qui voulait ça. Les peaux de bête. Voilà. C'est Garibaldi qui les veut. Quoi que vous désiriez, les Oh, mais c'est peut-être affaires comme ça qu'on sont les les vend. affaires. J'ai trop l'habitude de pas entrer dans le truc de commerce d'abord. Elle s'est fait des navires de commerce qui vont lui servir au sud, qui peut-être vont. Oh, ça brûle. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, En avant, vous marche! positionnez par exemple La là. production a été Traité de interrompue. commerce. Que puis-je Vous faire? êtes capable d'une telle effronterie? Un héros, vous dit? Vous êtes capable d'une telle effronterie? Vous avez fait ce que je vous ai Vous dit. êtes vraiment doué. Vous avez vu l'aisance avec laquelle Wow. ce chevalier a renversé ses adversaires pendant la Je vais lutte? filer quelques Magnifique! pots de bêtes N'ayez pas honte de et votre me les transformer en curiosité. pourpoint. Ah non! Le commerce, peut-être? Comme quoi, la mission est très intéressante. À nos affaires! Vous avez vu l'aisance avec laquelle ce chevalier a renversé ses adversaires pendant la joute? Je suis un peu fier de. Un peu fier de moi. Pas beaucoup, juste un peu. Elle vient d'acheter des petits navires, je les ai vus popper sur la carte. Attention! Vos instructions! Ah, ça c'est un grand camp. Ça c'est un petit camp. Maintenant je sais. Lancez-moi quelques pièces et il ne vous Je ne crois pas que vous ayez compris tout ce qui est en jeu. Bah, je crois qu'on a très bien compris. Celui qui était près de Garibaldi, il est là actuellement. Vois-tu, il y a des pirates qui traversent mes eaux. Mes eaux, ouais.
c'est pas que je me les attribuerais, mais si. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Partez avant que je ne fasse quelque chose. C'est son île à quoi ça? À Indigo? Parce que sur l'autre elle a la ressource qu'il faut, non? Vous avez vaincu. Ouais, elle a une île à Indigo. Rien ne peut nous arrêter. Oui, ce qui devait arriver arriva. L'armée est en marche. Nous sommes prêts. Levez le camp. Elle a plus que ce campement qui fait un petit bout pourri. À vos ordres. À vos ordres. Alors, là-haut, il reste un campement. Soldats, en avant ! Jaïda. Recule plutôt. On va se battre, d'accord ? Mais sans prendre le dégât des tours. L'animation, ça fait des boulets de canon qui partent partout, mais en vrai, les dégâts touchent à tous les coups. La production a été interrompue. Hors de ma vue! Le forgeron d'armes s'est arrêté. Attention! Ah, j'ai un bateau qui n'attend que le transfert. J'arrive pas à y croire. Oh, vous avez fait du super boulot là! Merci. Ça vaut une capture d'écran, ça. Voyons donc. Les patriciens satisfaits. Alors qu'ils sont si nombreux dans mon île. Comment est-ce possible? Les mon Dieu. De votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. Hassan attaque votre bateau. Une flotte ennemie progresse sur votre Hassan, territoire. Tu saoules. Tracker de Hassan, allez-y. Ah, il s'en va. Le bougre. Tu Dieu, le voilà qui fuit. Alors, contrôle le conseil, contrôle la ville. Ça, voyez-vous, je m'y attendais pas énormément. Tout le monde est parti. Tout est tombé en ruine. Il est temps pour moi de mettre. Traquons un autre bateau. De ce côté-là, toi. Tu es là pour mettre fin à leurs exactions. C'est bon, lui il est hors terrain. En plus, ils n'ont pas de place de marché, donc ils vont finir par partir. Très bon, très bon. Je viens de détruire une de ces villes. Et ça a été rapide. Il ne reste plus que celle-là. Donc, envoyons un faux prophète. On est prêt. On va venir s'installer là. Même pas peur. Si je prends votre le bâtiment de commerce, elle est finie. Vous serez très précieuse. Enfin, elle est finie. Il reste peut-être nous encore des réserves dessous, mais. Nous sommes prêts.
Ça me plaît. Je suis on ne peut plus près. J'ai des navires à la traîne. On va quand même lancer le combat contre lui. Voilà, vous voulez suivre. Suivez. Elle se sent en mauvaise posture. A raison. Je vous avertis. Un petit pan. Puisse Allah vous bénir. Un grand pan. Je serai heureux de vous aider. On va juste les mettre à traquer. Hop. Il y a encore un grand navire de commerce là-bas. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que c'est ? Du verre ? Une juste transaction. Bon, on ramasse, hein, on garde. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. Allons couler son bateau vénitien. Allons couler son grand navire. Ça coûte combien en coût d'entretien ça? 10. Ouais, pas plus cher que ça. Bon bah. Dans ce cas-là, peu nous importe. Attention! Salam alaikum. Merci, combien ça m'a rapporté tout ça? 4000, alors qu'il m'a fourni des marchandises qui valent beaucoup. L'ennemi attaque l'un de vos navires. Un de vos navires subit une canonnade. On va le faire réparer lui. Et son petit pote qui est plus lent. Sème le trouble dans votre colonie. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Un de vos navires subit une attaque. Nous avons pu appréhender cette crainte. On va faire pan, hop. Prenez notre grand navire, qui n'est pas suffisamment rapide. Votre peuple se languit de trouver de la compagnie. Ok. J'espère que j'ai suffisamment ralenti. Immédiatement. À vos ordres. Compagnie, en avant. Vite, une rue. Vos ordres. Une truc de combat. Ainsi, je l'ai chassé, mais il y en a d'autres qui arrivent. Attention. Prêt. Dois-je comprendre que vous avez un tour dans votre monde?
Ah, je comprends qu'il se trouve ça suspect. Ah, il en a trop des navires. Salam alaikum. C'est de ce côté-là qu'il y a de l'action maintenant. Comme toujours. Voilà, donc ton toutou tombe en ruine. Oh, c'est ça les grandes norias. Waouh, c'est dans les cinématiques du début du jeu, j'en avais jamais vu. Je les ai déjà débloquées, mais elles coûtent des trucs à faire. Quel genre de construction prévoyez-vous ? J'ai besoin d'émissaires pour débloquer tout ça. Si j'avais des émissaires, je débloquerais le café. Laissez-moi vous aider. Mais je pense qu'on va gagner 100. Le conseil des 10 vous remercie. Voilà. Rien ne peut nous arrêter. Vos ordres. Attention. En avant, marche. À vos ordres. Rien ne peut nous arrêter. Sagaving, il a peur ou il a pas peur? C'est sa vie, la lui là. La production a été interrompue. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Le conseil vous mange dans la main. J'ai atteint la majorité. Continuez. Mais t'inquiète que je vais continuer. Oui. Je vais t'acheter ta ville. Enfin, je vais acheter la... Je vais prendre la clé du conseil. Je vais même pas acheter la ville. Tout le monde y trouve son compte. Oh non, je veux pas boire de café. Ni faire de pause. Je veux gagner. Hors de ma vue. Petit navire de guerre. Il est trop lent. Il va jamais y arriver cassé. Pourtant il a une voile ralentissement réduit. C'est que son navire va très vite. Je serais mal avisé d'ignorer vos ambitions militaires. Mes ambitions militaires, mais de quoi parle-t-elle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne vois pas du tout. Compagnie, je suis pourtant doux comme un agneau. Vos instructions. Ah, on l'a tué. On va cliquer sur ces trucs en fait. Mais c'est ça qui lui reste de son île. Rien ne peut nous arrêter. Levez le camp. On va commencer à en ramener là. L'armée est en marche. Parce que c'est par là qu'ils vont repartir. Fabuleux. Une honorable transaction. On va le garder. Les champs ça coûte rien, on peut les garder. Ça par contre ça coûte. Vous avez un cœur de pierre, hein? Où est-ce qu'on va aller maintenant? Bah j'ai pas de mendiant sur cette île. Quel manque de respect! L'hébergement de tous les mendiants vous coûte 0 pièce d'or. Parce qu'ils sont tous contenus dans l'hospice qui est là-bas. Lui, il est pas assez rapide pour décharger tout le monde. Laisse donc l'autre s'en occuper. Faible source d'eau.
ils sont satisfaits aussi. De trouver de la compagnie. Un peu juste sur les tapis, mais. Alors, on s'est pas bien compris avec mon peuple. Voilà, il n'y a plus de peuple. Chez moi en tout cas. Si c'est ça à moi. Non, c'est pas à moi. Donc me dis pas blablabla, compagnie. Je ne supporte pas de vous voir. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. C'est ça qui fait tomber les murs? Eh, ça fait beaucoup de dégâts ça. Une transaction fructueuse. Il y a celui qui me rapporte 400 et celui qui me rapporte 5000. Vous n'avez pas peur de moi, j'espère. Est-ce que toi, tu as peur de moi, peut-être? J'ai 1000 en coût de maintenance militaire. On va pas chercher les ennuis. On va juste s'installer très près des maisons, histoire de dire regardez, on est là. Et les gens vont faire mon Dieu, ils sont là, on est envahis. Nous allons quitter toutes nos maisons. C'est ça la stratégie. Alors toi, tu vas t'installer là et tu vas te soigner. Moi, je pourrais encore continuer de m'améliorer si j'avais envie. Il y a quelques camps, Sir Gaving, il y en a trois petits en bas là. Et si c'est tout, ça va être facile. On va quand même acheter un bateau. Ah, par Allah, acceptez ces navires de la... On a trop de chambres maintenant. Vendons les armes, vendons le verre, vendons... Fabuleux, vendons. Transaction. Quartz, le quartz ça me servira pas trop. Je peux pas encore transvaser, tant pis. Enfin, je peux toujours pas transvaser, hop. Il y a un truc qui permet de recharger les de monter les norias à 1000. Je me disais tiens c'est génial, c'est génial que si mais ça coûte pas trop de sous à remonter, mais je pense pas que ça soit comme ça que ça fonctionne. Hors de ma vie. Un de vos bâtiments subit une attaque. Je vais vous apprendre à faire preuve de respect en présence d'une dame de haut rang. Alors, c'est une bonne armée ça pour Lord Newtonbourg. Levez le camp. On va les masser. On est prêt. En avant, marche. Ah, elle tire sur les murs là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, qu'elle continue à tirer sur les murs, pas de soucis. En avant, marche. On est prêt. Soldats, en avant! À vos ordres! Compagnie, en avant!
Son navire principal va couler, mais elle a encore des grands navires de commerce. Donc la strat, ça va être de chasser la population. Avant tout. Je vous préviens dès que j'aurai infiltré la. Il y a des gens qui courent partout. Tout le monde y trouve son compte. Oh, oui. Moi, quand je compte mes pièces, j'y trouve mon compte. Parfait. Cette cachette. Comment ça, on attend des bis? Je n'ai guère de raison de me plaindre. Ah. Je me pardonnerai de ne pas sauter de joie. Car ils ont trop d'épices maintenant. Ils sont casse-pieds au possible, ces gens. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Au moins, ils sont limités en bière. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. On a trop de ressources, on a trop de matériaux de construction, mais on gagne déjà tellement de sous que je vois pas vraiment l'intérêt de me casser les pieds à faire autre chose. Donc on va finir par attaquer Lord Lutenburg. Normalement, et il m'a envoyé un grand bateau, tout à fait. On va le mettre près des autres là, tandis que lui, il va rester dans mes eaux territoriales. Laissez-moi vous aider. Je suis pas sûr qu'il soit plus rapide. C'est bête. En revanche, lui, il sera plus rapide, par exemple. Même que le bateau vénitien en théorie. En pratique, j'en suis pas sûr à 100%. On est prêt. Du coup, je me dis, changement de programme. Toi, tu vas les couler. Et mes trois petits navires, ils vont là-bas. Voilà. Ce doit être extrêmement urgent. Oui. Personne dans cette ville n'a plus d'influence que vous. Vous savez comment veiller au sujet. Il serait temps. Oh, vous me fendez. Ah là, il est tellement descendu que. Ça va être chaud. Les habitants de votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. On a du tapis. Et qu'est-ce qui devrait rendre votre ville si spéciale au juste? Ça me plaît. La production a été interrompue. Enfin, j'ai obtenu mes émissaires. Comme ça, c'est fait. Ah, les champs ont été désorganisés. Je dois bien l'admettre. Les émissaires commencent à devenir très exigeants. Très exigeants? Beaucoup d'entre nous sont habitués au palais du sultan et à son luxe. Voilà. Truc d'épices. Comment ça, 4 sur 5? Cinq sur cinq. Ils ont fait des mélanges de temps en temps. 5 sur 5. 3 sur 5. Mais il est né comme ça. 2 sur 5. Bah ouais, mais celui-là, il est dans le rayon. C'est merveilleux. Votre... On a quasiment que des émissaires dans cette ville-là. Ok, il faut des dates, du café qu'ils n'ont pas. Les autres sources, ils les ont. Normalement, les autres sources, ça doit être autosuffisant. En revanche, le café, il va falloir une route pour aller le chercher là-bas. Donc on va faire un petit navire. Exprès pour... Exprès. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. On va cesser de vendre le café. Et les graines de café. On va faire... Accepter ces plans de construction
comme cadeau de la part de notre peuple. Rien du tout, parce qu'on n'a pas le truc qu'il faut. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Incite à cesser de produire des marchandises. Toi, tu pourras aller chercher des mosaïques pour faire du café. Et après, tu vas devenir café. Votre navire est la cible de tirs ennemis. Non, bon, on va les laisser. Attention ! Il m'a pas encore déclaré la guerre, mais... Oh, ouais, bien sûr. Votre campagne. On n'est pas en guerre pour l'instant. Vous ne laissez jamais les gens tranquilles. Charmant, beau, éloquent. Charmant, beau, éloquent, c'est moi. Par contre, là, j'ai plus de sous. Ça va être cette ville-là qui me coûte. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour cette colonie, c'est une évidence. Oh, merci, merci. Donc s'il avait toutes les ressources qu'il fallait, c'est que la ville doit être autosuffisante au café près. Et donc, nouvelle route. J'ose croire que vous n'espérez tout de même pas en sortir indemne. De la guerre ? Mais c'est déjà fini. Tu vas mourir, c'est tout. Une donc flotte sur ennemie café, progresse sur votre territoire. On va aboucher le... charger le café, et ici, décharger le café, c'est tout. Je serai heureux de vous aider. Quel manque de respect! Vous osez me déranger ainsi? Aïe, 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 la tour! Une transaction équitable. Vite, 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 trois bateaux, à la rescousse. Ah, je sais ce que je vais faire. Inspire ennemi, sème le trouble dans votre colonie. Si on m'en laisse l'occasion. Nous avons empêché le pire d'arriver. Voilà. Donc, à la route de café, on ajoute le navire qui porte le même nom. Voilà. Et on va aussi décharger la mosaïque ici. Qui n'aura pas été produite là-bas, évidemment. Mais c'est pas grave. Le sbire ennemi a soudainement disparu. Ah, mais je l'ai attrapé. Il y en avait deux. Tôt ou tard, ils viennent tous à moi. C'est où ça? Ah, on m'a envoyé un sbire là. Où sont ces nobles? Ah, il a plus de nobles. Bah alors, nous n'avons pas les bateaux pour faire par un autre joueur. Truc pour les nobles. Puisse Allah vous bénir pour votre... J'hésite à tout de suite. Qu'est-ce que vous espériez? Que j'allais sauter de joie? Racheter une action. Non, c'est sa nouvelle île. Il a déjà tout prévu. Je savais pas que les IA faisaient ça, qu'elles rachetaient tout de suite une nouvelle île quand elles en avaient plus. Émissaire, vous allez devenir satisfait. Vous allez bien voir. J'arrive pas à le traquer. Parce qu'il me faudrait un grand navire pour le traquer. Deux joueurs révoquent leur traité de commerce. D'accord, c'est les aléas. Les traités de commerce. Compagnie, en avant. Une transaction équitable. La production a été interrompue. Dois-je comprendre que vous avez un tour dans votre manche? En quelque sorte. Levez le camp. Soldats en avant. Soldats en avant. Un, deux, un, deux. Ah, il s'avère de pas se faire couler tout ça quand même. Oh, c'est pas tout à fait tombé. Je ne supporte pas de vous voir.
Alors, ça doit être un bâtiment en trop. Yep. Celui-là aussi. Voilà, le reste on va garder. Alors je vais celui-là. Ça permettrait à quelqu'un de s'installer dans ce coin-là, mais je pense pas que quiconque ose faire ça. Quel manque de respect! Salam alaikum. C'est un honneur. Moi aussi, c'est un honneur. Eh bien, la route café va être lancée. Les habitants de votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. Pourquoi ne pas acheter sa ville principale? Encore vous? N'oubliez pas que là voilà la raison. Même notre vénérable conseil. Merde. Ça va être le prix maximum. De payer. Sa ville vaut tellement qu'il va me falloir payer 300 000 en actions. Plus personne 400 000 la clé de la ville. Ben alors le truc qui est un et peu délirant, c'est que je peux. Mais je pense que l'envahir est plus intéressant. Les fiers navires de l'Orient sont parmi les plus rapides. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Suivons-les, on ne veut pas les perdre. Il est temps pour moi de mettre un terme à votre audace. À mon audace. Soit, allez-y madame, mettez un terme à mon audace que je vois ça. Peut-être que je devrais lui laisser son point d'accroche pour qu'elle continue à croire que c'est sa ville principale. Partez, avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Il aurait fallu que je fasse ça avant les 18 secondes de la fin, mais... Mais c'est ça en théorie. Dix de café arrive. Pour satisfaire nos émissaires. Vous avez aperçu une nouvelle terre. Nouvelle terre. Petite île dans le sud. Ah. Un repère de sbires a été découvert. Installé. Une juste transaction. Ouais, ça se voit encore plus comme ça. Ça devait être au premier joueur. Aïe. Vos ordres. Je me suis fait mal à la main. Je me suis fait mal au pouce en pliant le pouce. Dépêchez-vous. Levez le camp. Vos ordres. Est-ce qu'on peut venir? En avant, marche. L'armée est en marche. Levez le camp. Prêt. Hop, tout le monde est posé, plus besoin de moi. Arrêtez! Immédiatement! Un petit navire de guerre qui attend qu'il y ait une tour qui se fasse. On va pas lui couler. En revanche, le navire là, on va lui couler. La production. Ce n'est pas bien difficile comme mission. Comment ça se fait que j'ai moins de sous? Non, c'est mes taxes qui ont augmenté. Recruter une équipe à l'entrepôt de Garibaldi et suivez le navire ou un truc comme ça. Capturer le navire restant. Ah oui, capturer. Oui, je t'envoie un bonhomme. Quelle déception. Ah, je sais plus ce que c'était. C'est ça. Un de mes meilleurs navires. Un de tes meilleurs navires. Pourtant, il est tout petit, mais.
Mais bon, c'est pas la taille qui compte. Ah, on se quitte au prochain épisode.